Bonjour Thierry Cara. Thierry Bonjour Cara, donc Gérard-Quentin. AO, le chant des particules, donc le volume 2 dans la collection Rivière Blanche aux éditions Black Coast Press. Alors donc c'est la deuxième partie hein, du chant des particules pour lequel on s'était déjà vu. Donc ce deuxième volume qui nous ramène, ou qui nous amène plus exactement dans le futur, en 2372, Thiago Loxo, hein, donc qui revient sur Terre dans le vaisseau L'Amour, Qui reste de la Terre, le reste de la Terre, un peu voilà. désertique. Ouais. En fait, à la fin du premier volume, le vaisseau est revenu pour. En fait, c'est une sorte de complot yogique, puisque les yogis veulent relancer la natalité et se sont dit, puisque les hommes sont stériles sur Terre, allons chercher des gens partis 122 ans plus tôt, qui eux étaient encore fertiles. Et donc, il y a une machination un peu comme ça, un peu perverse, dont Thiago Loxo va aisément sortir. Et puis, parallèlement aux différents personnages qui sont soit sous la bulle dans l'endroit privilégié, soit à l'extérieur et qui se coltinent, j'ai envie de dire familièrement, les vents de sable, la poussière, les tickets de rationnement, les entrepôts où on donne à manger et à boire, bon, et où en fait la vie est quand même assez précaire. Parallèlement à tout ça, arrive un bloc stellaire qui a été découvert en 2017, qui s'appelle Oumuamua, qui veut dire le messager en hawaïen. Et ça, ce bloc, bah, je l'ai intégré au roman, et en fait, il revient sur Terre pour raison inexpliquée. Et dans mon livre, les particules qui composent la matière minérale de ce bloc se déplacent à la surface de l'univers par le chant. CHANT. Donc bon, il y a un petit twist au niveau, évidemment, du sens, le chant des particules. Et effectivement, les ondes du chant des particules leur permettent d'évoluer dans l'univers. Donc c'est pas loin de la vérité. Ce bloc minéral arrive au-dessus de la bulle, non loin de la bulle, et dans une sorte d'instant suspendu qui permet de dire, j'ai envie de lire la suite aussi, puisque le tome 2 démarre dans cette scène un peu troublante où Muamua est dans le ciel terrestre, et que va-t-il se passer à ce moment-là? Il y a un moment Mais... un peu inquiétant, effectivement, quand on voit cette ombre qui vient planer sur la Terre. Ça fait penser un peu à ces films de science-fiction où on voyait les soucoupes volantes arriver et assombrir les... Oui, d'ailleurs, il y a cette incertitude, et tout comme dans la réalité, le bloc Oumuamua a été sans doute même considéré par des scientifiques comme peut-être un vaisseau spatial, etc. Alors aujourd'hui, on pense que le changement de direction de ce bloc, parce qu'il est arrivé sur Terre, vous voyez, on peut se servir de mon fond d'écran, il est arrivé et puis il est reparti, enfin, il n'était pas si proche que ça, mais en fait, à l'intérieur du bloc, il y avait de l'eau sous forme de glace, et en s'approchant du Soleil, la vapeur d'eau a permis une énergie, un mouvement, et donc il a changé de direction. Et c'est ce changement de direction qui a intrigué énormément les scientifiques. Bon, moi j'en fais autre chose, mais comme je suis un garçon positif, eh bien le bloc stellaire arrive et va modifier la Terre. Alors bon, on va pas tout dire, mais c'est vrai qu'il y a un peu de... Moi j'aime bien la magie, la magie de l'univers. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, ben, je me pose des questions en lisant ton livre. Et je dis, bah ouais, c'est un peu le but aussi, c'est-à-dire que tout n'est pas cuit et le lecteur doit faire son chemin. Après, je suis un garçon positif et c'est un livre, en tout cas le tome 2, là où on avait des craintes dans le tome 1, j'ai envie de dire qu'on vit une aventure assez folle d'une sorte de deuxième chance pour la Terre. Alors, je ne sais pas si dans la réalité, la chance viendra. Et si la Terre aura véritablement une seconde chance avec l'état climatique qu'on connaît aujourd'hui. Mais bon, c'est un peu voilà, une note d'espoir que j'ai voulu apporter. Alors, vous faisiez tout à l'heure référence au fait que, eh bien, cette humanité, elle est un petit peu, je dirais, inquiète parce que la stérilité des hommes, les femmes sont toujours fécondes, mais la stérilité des hommes est quand même relativement inquiétante. Et on va s'apercevoir qu'il va y avoir un événement, et c'est l'événement de ce deuxième livre, c'est l'arrivée, l'événement d'un bébé. Et qui va se passer bien, mais dans des conditions un petit peu différentes de ce que l'on a l'habitude. Oui, effectivement, il y a un personnage que j'aime beaucoup dans le tome 2, parce que les personnages, c'est assez pléthorique. C'est le médecin qui s'occupe justement du futur bébé de Laïa et de Thiago. Ce bébé a un développement très,
très, comment dire, très rapide par rapport à la réalité des 9 mois d'aujourd'hui. Et son plan de développement est plus rapide. Et puis, il s'avère que bon, ce bébé n'est pas un bébé comme les autres. Mais il survient après 30 ans de stérilité, ce qui est un événement complètement incroyable. Et les yogis, en soi, n'avaient pas tort de vouloir rapatrier Thiago, puisque c'est finalement le premier homme qui, après 30 ans, aura le premier bébé. Après, on voit que les choses évoluent dans le livre, mais bon, je suis père de famille, j'ai 3 enfants, et je crois que avoir un enfant, c'est quand même l'une des choses les plus magiques qui soit. C'est-à-dire, voilà, on fabrique de l'humain avec la personne qu'on aime, et devoir évoluer cette personne, enfin, tout le plan d'évolution de l'enfant, pour moi, donc moi, je me suis servi toute mon expérience aussi de père dans ce roman pour montrer comment l'évolution de Ao était différente. Et puis, il y a aussi la symbolique, mais je ne vais pas déflorer tout le livre, mais Ao, en hawaïen, ça veut dire lumière, et Thiago dit à sa compagne, mais j'ai eu ce nom m'est venu en rêve, et quand j'ai cherché la signification, j'ai découvert que c'était un mot hawaïen, comme umuamua, qui a un rôle à jouer, qui joue un rôle dès le début du livre, d'ailleurs, dans la grossesse de Laïa. Je ne dirai pas comment ni pourquoi, mais et en fait, finalement, le messager s'est incarné en lumière, ce que je trouve assez, voilà, ce que je trouvais assez poétique. Alors cet enfant, évidemment, ça peut être l'enfant de tous les espoirs, du salut de l'humanité, de la Terre, de tout. Ça peut être aussi l'enfant de tous les dangers. Également, parce que les dangers, ils sont là. Hein, bon, cette Terre et ce 2372 ressemble étrangement à 2024-2025, sans doute. Le danger, il vient de l'intérieur, de l'extérieur, des humains, des androïdes. Il y a un personnage qui est récurrent et qu'on le retrouve, hein, c'est Mendel. Mendel dont le corps va être investi. Donc là, on est effectivement dans une pure fiction, peut-être pas si loin que ça non plus. En tout cas, vous savez, souvent, quand on pense à une invasion extraterrestre dans les films, dans les romans traditionnels, populaires ou pas, on imagine toujours qu'on est envahi par des choses très visibles. Bon, après, il y a les bactéries, bon, il y a des films qui traitent de ce sujet. Il y a Alien aussi, avec ce truc de masse. Bon, si on voit la littérature ou le cinéma, moi, j'ai cherché, j'ai laissé venir à moi plutôt une idée qui était que finalement, les humains étaient transformés à l'intérieur d'eux-mêmes, sans visibilité aucune. Et donc, en fait, l'apparence de Mendel, c'est la ministre qui est au pouvoir. Elle assure l'intérim en attendant que Thiago se décide pour son investiture. Et en fait, il y a une erreur d'aiguillage, puisque voilà, l'alien qui doit arriver dans le corps d'un guerrier se retrouve dans le corps d'une femme de 70 ans. Et voilà, il y a un petit hic pour lui. Mais finalement, son pouvoir décide de le laisser bien là, parce qu'il est au creux du pouvoir, et c'est pas plus mal. Oui, alors il y a beaucoup d'humour hein, aussi dans le roman et dans les personnages hein, et dans les situations aussi. Hein, où... J'aime bien, par exemple, des personnages secondaires comme Wilter et son camarade Piotr. Wilter et Piotr, qui sont toujours en train de se chamailler finalement, mais qui sont comme deux frères d'armes, puisqu'ils sont tous les deux gardes, mais en même temps, voilà, ils font un peu ce genre de binôme qu'on aime bien avoir dans la littérature, dans le cinéma, puisque il y a de l'humour, et puis et ça, c'est des personnages. Voilà. Et puis il y a un nouveau personnage que j'aime beaucoup aussi, qui m'a beaucoup plu, c'est Harris de la Mancha, qui est un traducteur, qui va lui avoir la lourde tâche de traduire un son, une voix enregistrée justement par Piotr, lors d'un événement dramatique qui va se produire dans le sud de la bulle. Et ce jeune traducteur, je sais pas, j'ai mis pas mal de mois finalement, je me suis rendu compte après coup. Bon, je fais de la méditation, il fait de la méditation. Bon, dans ce monde-là, tout le monde fait de la méditation, mais je veux dire que bon, il a quelque chose qui me plaît beaucoup, et il va découvrir une nuit par hasard, à l'aide de dessins, des éléments de traduction d'un son. Et là aussi, je trouve ça intéressant de mêler finalement le son, les formes. Si vous voulez, j'aime bien l'idée que la matière prenne forme et le sens vient d'une accumulation comme ça d'éléments sensitifs, olfactifs, etc. Donc dans mon roman, il y a aussi, et dans celui-là également, dans le tome 2, il y a beaucoup, on fait appel au sens. Il y a les parfums, il y a bien sûr des couleurs. Et Dieu sait qu'on parle beaucoup des couleurs de la bulle, exagérées dans le tome 1 par les premiers créateurs qui avaient forcé les couleurs, donc il y avait des teintes surnaturelles quasiment, etc. Et puis dans le tome 2, le climat va s'inverser, on ne va pas tout dire, mais c'est vrai que
c'est finalement les habitants de la bulle vont vivre ce que vivaient et ce qu'ont vécu pendant des années et des années les habitants de l'extérieur, c'est-à-dire le sable, le vent, la chaleur épouvantable, eux qui avaient une température régulée. Alors, il y a un peu, je dirais, deux niveaux de lecture dans ces deux volumes, hein, parce que c'est une histoire en deux volumes. Il faut lire les deux. Il faut commencer par le premier et ensuite prendre le deuxième. Oui. Il y a le niveau de lecture de l'aventure en elle-même, qui peut être pris comme effectivement un roman de science-fiction. Et puis, il y a en même temps une réflexion sur, justement, notre histoire, l'histoire de l'humanité, l'histoire des hommes, cette notion de domination, de politique, de répartition, on va dire un petit peu des équilibres, Richesse, et puis ouais. en même temps, c'est le fait de simplement que pendant 30 ans il y a eu aucune naissance, comment cette humanité va terminer. Il y a un moment où la mort effectivement arrive, et puis petit à petit, eh bien, le monde n'existe plus. C'est-à-dire qu'en fait, et d'ailleurs, je crois que c'est dans le tome 1 que je dis que la bulle était comme une sorte de canot de sauvetage que les plus riches avaient pris. En repoussant les autres à l'extérieur, finalement. Bon, on est un peu dans notre monde d'aujourd'hui, poussé au maximum dans ces curseurs rouges, vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai qu'il y a des messages sans forcément que ce soit à l'avant-scène du livre. En tout cas, moi, j'ai des valeurs, et ce sont ces valeurs-là qu'on retrouve dans mon livre, effectivement. Il y a l'aspect catastrophe d'un côté, parce que ça peut être une fin catastrophique. Et puis, il À y a fait. l'espoir d'un renouveau, l'espoir de quelque chose de meilleur, de repartir sur des bases peut-être plus saines, et en prenant, je dirais, bien les leçons du passé. C'est ça, c'est-à-dire est-ce que les hommes auront, à la fin de ce tome 2, on peut se dire, est-ce que les hommes vont s'en sortir finalement en étant dans une sorte de nouvelle sagesse? D'ailleurs, il y a un discours de Thiago, j'ai passé pas mal de temps à le peaufiner ce discours, qui dit en gros, nous devons apprendre de nos erreurs. Il arrête la diffusion de la voix qui était un peu la domination des peuples extraterrestres pour que les humains aient des richesses, etc. Et en même temps, il est lui aussi avec des valeurs qui sont finalement du respect des êtres qu'on ne connaît pas, de pas piller, etc. Et ça, bon, on espère que ce sera pareil sur Terre pour notre vécu à nous, vous voyez. Je vous conseille de vous plonger dans ce bouquin, donc Le Champ des particules, volume 1, Ah volume 2, oui, ça coupe. donc Thierry Carra, dans la collection Rivière Blanche, collection, je le disais dans notre première interview, hein, qui rappelle cette collection du Fleuve Noir de science-fiction, grande Exactement. collection C'est un de. hommage au fleuve noir, à fleuve noir, ouais, tout à fait. Voilà. Merci Gérard Quentin. Merci à vous, et puis bonne continuation et bonne journée. À bientôt. Bientôt.